oui, Gordon Deza, pour Games Deza TV. Alors, pour une vidéo spéciale Altaïa, et ce sera peut-être la dernière. Cette fois-ci, il n'y aura pas qu'un, mais deux colis. Voilà, ce sont les deux derniers. On devait faire la vidéo avec mes neveux, hein, et crier Altaïa bien fort, comme on fait d'habitude. Mais bon, ce sera peut-être la dernière fois. Donc, je ferai un déballage de colis Altaïa, parce que on a l'impression quand même de s'être un peu fait avoir. J'aime pas trop me faire avoir. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... C'est-à-dire que sur les derniers colis, c'est vrai que ce sont des personnages qu'on ne connaît pas, que je ne connais plus en fait. Hein, c'est souvent du Street Fighter 4, Street Fighter 5. Voilà, moi je suis plus dans le rétro comme vous savez, et bon, et les personnages vraiment rétro, on les a eu, ça y est, hein, tous les personnages que je connaissais. Je pense qu'on va pas aller plus loin. À moins qu'il y ait de vraiment bonnes surprises à l'intérieur. C'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Bon, commençons par le premier. Ah. Alors on va peut-être baisser un tout petit peu la caméra pour que vous voyez comment ça se passe aussi dans le colis. Alors je vous avoue que je l'avais déjà entrouvert pour regarder un petit peu, mais je n'ai pas regardé les figurines qu'il y avait dedans. Alors, le cadeau, on l'attendait sur un colis précédent, la casquette. La casquette. Voilà, casquette très sympa. Oh. Oui. Hein, qui va parfaitement. Ensuite, quel personnage avons-nous? Hein? Alors, celui-là. Gouken. Voilà. Je vais pas le déballer. Je pense pas, je compte pas le garder parce que ça fait vraiment beaucoup de personnages qu'on a désormais et ça va prendre énormément de place pour si peu d'intérêt pour moi. Après, ça peut avoir de l'intérêt pour vous. Hein. Dites-moi si ces figurines vous intéressent. Alors nous avons ici c'est Viper. Voilà, personnage féminin. Il n'y en a pas tant que ça dans Street Fighter, donc profitons-en. Et nous avons Jen. Jen, donc le numéro 26. Hop, voilà. Alors ça, voilà, ça c'était pour le colis. Alors, le petit cadeau, voilà, ça fait plaisir. La petite casquette, ça fait plaisir. On va pas dire non plus. Elle est sympa, elle est brodée. Voilà, c'est cool. On va regarder le colis suivant. Qui sera peut-être le dernier. Et j'espère, parce que 40 balles par mois, ça commence à faire cher. Voilà, celui-là, je l'avais pas ouvert du tout, mais il est un peu plus lourd. Un peu plus lourd. Alors, il y a peut-être une bonne surprise. Alors, ce qu'on attendait, hein, c'était peut-être la Ryu, mais pas la grande. Déjà, il y a une grosse boîte en plus. Si vous voyez là dépassé, je pense que ce sera notre dernier cadeau, à moins que ce soit un très très bon cadeau. Voyons voir. Ah, excusez-moi, il y a eu une petite coupure batterie, mais je vous promets que j'ai pas regardé la boîte, hein. Pendant la petite coupure, j'ai juste changé la batterie. Alors je vais vous la montrer. Avant même que je regarde, le blister est vers le bas, il me semble. Hop, oui, alors qu'est-ce que c'est? Et c'est... Oh! Alors ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. C'est la Ken, mais qui va en face de l'autre, en face de la Ryu. Elle devait venir beaucoup plus tard dans la collection. Hein. Alors je suis surpris. Parce que en fait on paye un petit bonus de pas très cher, de 79 centimes en fait, dans chaque colis, pour recevoir non pas une figurine de cette gamme là, mais de la gamme intermédiaire, on va dire, des figurines qui font à peu près une quinzaine de centimètres, alors que les autres font 10 centimètres. Hein.
D'ailleurs, on regarde vite fait ce qu'il y a. Mais bon, ça va être sûrement des personnages inconnus au bataillon. Alors, nous avons un personnage féminin qui s'appelle Poison. Voilà, Poison. Ok, voilà, voilà, très bien. Dudley. Dudley. Voilà. Evil Ryu. Ah, oh, écoutez, c'est presque intéressant. Hein, le Ryu méchant. Evil Ryu. Ma foi, celle-là, elle est intéressante. Alors donc, hop, nous allons découvrir ce dernier. Je pense que ça va être le dernier. Je vous expliquerai après. Dernier cadeau Altaïa. Hop, et pas des moindres. Alors c'est une figurine de Ken. Voilà, qui est quand même assez grande avec le parquet donc qui s'emboîte avec la Ryu. Alors c'est dommage, je suis pas dans la gaming room. Hein, comme d'habitude, avec mes neveux, on faisait les déballing en général Altaïa dans la gaming room. Mais là, bon, je testerai une autre fois. Vous prendrez une photo, je la mettrai, voilà, je la mettrai sur Facebook ou sur YouTube dans l'espace communauté. Hein, allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça rend hein, quand elle va dans son socle. Je suis pas fan de la tête. Je vous avoue, je suis pas fan de la teuté. Voilà, je sais pas ce que vous pensez du visage. Je suis pas super fan, pas convaincu. Après, j'aime bien la pose qu'il a, hein, avec la boule de feu qui est en train de partir de sa main. Et comme c'est une boule de feu à une main, on pourrait penser que c'est plus un Shoryuken qu'un Hadoken. Hein, il se prépare, ben oui, il fléchit les jambes, donc il se prépare à sauter. C'est plus un Shoryuken qui se prépare. Écoutez, moi, mis à part la tête, je trouve qu'au niveau de la peinture, c'est pas trop mal. Au niveau des détails, on a vu mieux. Il y a plus détaillé. On va dire que voilà, ils ont fait un petit effort sur hein, les cheveux. Hein, regardez les cheveux de Ken. Ouais. C'est juste le visage, voilà, que je trouve un petit peu moyen. Sinon, voilà. Alors, je sais pas à combien on peut estimer ce genre hein, de cadeau. Bon, c'est un cadeau gratuit, Altaïa, mais bon, vous le payez quand même avec l'abonnement. Moi, une figurine comme celle-là, je mettrais pas plus de 35-40 euros. Franchement, pour une figurine de cette qualité-là. Hein, y a beaucoup mieux. Je serais prêt à mettre 100 balles hein, sur vraiment une un peu plus grande et plus détaillée. Mais voilà, on va faire les comptes, hein, juste après, dans la deuxième partie de la vidéo. On va faire les comptes hein, par rapport à tout ce que ça nous a coûté hein, depuis le début. Et on revient à la fin pour faire un point, pour savoir si on continue ou si on arrête Altaïa. Voilà, rendons-nous sur le site d'Altaïa pour voir un petit peu où ça en est. Voilà, comment ils vous présentent la collection, voilà, le détail des figurines, ok, peinte à la main de 9 à 14 cm. Voilà, 16 cm, la grande, elle fait 16 cm de hauteur. Voilà, ça c'est le prospectus qu'on reçoit avec le premier envoi Altaïa. Collectionnez tous les personnages de la saga. Alors là, vous voyez vraiment les personnages les plus connus. Hein, on est d'accord. Ceux-là, on les a vus, on les connaît tous depuis Street Fighter 2. Et là, c'est les personnages un petit peu plus secondaires, hein, évidemment. Hein, moi, j'étais pas allé jusque-là. Street Fighter 4, Street Fighter 5... Voilà, à apporter un changement de look, des personnages classiques, tout en introduisant de nouveaux combattants, Rachid, Nekali, Laura, pff, voilà, une collection unique de figurines, voilà, figurines en PVC, de 9 à 14 cm, peintes à la main, hein, comme je disais, avec les pieds, ça aurait été moins évident, c'est sûr, voilà, parce que les superbes cadeaux qu'ils annonçaient, donc dès le premier envoi, vous aviez les trois posters. Le deuxième cadeau, donc, c'était le mug. Bon, on a mis du temps à le recevoir. Je crois qu'il y a eu un colis de retard, on va dire, pour le recevoir par rapport à ce qui était prévu. Le troisième cadeau, la casquette, on vient de le rentrer. Et le quatrième cadeau, le t-shirt exclusif. Un taille L, homme, matière coton. Bon, moi, ça va être plutôt du XL ou du double XL. Le L, je pense que je vais pas rentrer dedans. Ça, c'est une certitude. Voilà, les deux grandes figurines en offre limitée.
Et il devait y avoir, je pensais qu'on aurait eu ça en fait, hein, offre premium. Alors pour seulement 99 centimes, ah oui c'est 90 centimes, j'avais dit 79 centimes tout à l'heure, c'est 90 centimes en fait, tous les mois en plus, enfin tous les mois, pas à chaque numéro mais à chaque envoi, on paye 90 centimes en plus pour avoir voilà, ces figurines que l'on n'a pas vues. Hein, pour l'instant, je n'en ai pas vu la couleur et je pense que je n'en verrai jamais la couleur, malheureusement. En arrêtant l'abonnement, je risque de passer à côté de ça. Voilà, le numéro 3 gratuit, voilà, le t-shirt avec l'envoi numéro 13, donc c'est le prochain, le 13. Là, c'était envoi 11 et 12, voilà, les posters et ça, voilà. Donc, voilà, ce qui était prévu avec l'envoi numéro 12, c'était la Ryu. Voilà, la Ryu Premium, hein, mais celle-là, du coup, on l'aura pas eu. Hein, ils annoncent de ces trucs, des fois, Altaïa, c'est pas fiable, hein, c'est pas fiable. Et là, il n'y a pas tous les derniers, hein, numéros. Là, vous voyez, ça, c'est ceux qu'on avait reçus cet été. Voilà, Cody, alors je connais encore par rapport à Street Fighter. Ibuki, ouais, je connais pas trop. Jen, connais pas du tout. Viper, connais pas. Et l'autre, là, Guken, connais encore moins. Hein, voilà, super. Alors à chaque fois, vous pouvez cliquer sur plus d'infos si jamais vous voulez plus d'infos par rapport au personnage. Voilà, il vous en donne pas beaucoup, mais bon, il faut rappeler par la tragédie très jeune et compagnie, on s'en fout. Voilà, et il vous donne un aperçu du fascicule qui est fourni avec. Voilà, ça c'était le 28, mais là on est arrivé voilà, au personnage 29, 30 et 31. La procédure pour annuler l'abonnement, est-ce qu'on peut le faire en ligne? On va regarder ça de suite. Est-ce qu'on attend quand même le t-shirt pour 40 euros? C'est 41 euros, hein, chaque mois, hein. 41 euros chaque mois. Alors pour un t-shirt et 3 figurines que vous connaissez pas, je sais pas si le deal est intéressant. Alors là, il n'y a rien, hein, qui stipule qu'on peut annuler en un seul clic. Allons voir le service client. Voilà, service client, j'ai cliqué, ça met un peu de temps à charger, c'est ça la DSL. Besoin d'aide, allez, voyons, qu'est-ce qu'il propose. Autre demande, consultation, voilà, demande de résiliation, annulation, réactivation. Ok, je souhaite annuler ma commande de numéro à l'unité, bon c'est pas vrai, oui, on va faire ça. C'est pas vraiment à l'unité parce qu'on les reçoit par 3, nous. Ok. Et ensuite, vous pouvez solliciter l'annulation de votre collection en nous contactant au numéro 0176 blablabla. Ah mince, l'abonnement suite à une suspension, ok. Donc on est obligé de téléphoner. Parce que là, en fait, le formulaire ci-dessous, nous répondrons dans les plus brefs délais. Ouais, c'est pas avec ce formulaire, hein, même si je mets Street Fighter, c'est où Street Fighter. C'est pas dans ce formulaire qu'on va trouver comment résilier directement. La seule façon de résilier, manifestement, ce n'est ni un courrier ni un mail, c'est par téléphone. Cliquez sur l'onglet FAQ pour... qu'est-ce qu'ils sont cons, ils nous disent de cliquer sur l'onglet FAQ alors qu'on y est déjà. Oh, n'importe quoi, dirigez-vous vers la section FAQ, ouais, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'ils disent de plus, comment acheter, bon ça on s'en fout vu qu'on achète déjà. Retour en matériel et suspension abonnement. Ah oui, la suspension abonnement. Comment je puis interrompre mon abonnement? Vous pouvez interrompre ou arrêter la collection à tout moment. À tout moment, ils disent. Voilà, vous pouvez faire la demande par email en remplissant le formulaire ci-dessous. Ah, ou appeler le service client au 01. Ah, on peut remplir le formulaire. Ok, ok. Donc voilà, je vais tenter de remplir ce formulaire. Ou j'appellerai, je vais voir, j'appellerai demain. Je suis pas encore indécis, on va passer la nuit, hein, la nuit porte conseil, et on va voir, parce que à chaque fois que j'ai voulu annuler mon abonnement, il y a toujours eu un petit cadeau qui est tombé comme ça, hein, qui vous donne envie de continuer. Mais là, il y a quelque chose qui me dit, là, faut que tu arrêtes. Alors, j'ai fait le calcul sur l'abonnement, hein, sur les 12 premiers. Les 12 premiers colis, hein, qu'on a reçus, ça nous fait en tout et pour tout pour 31 figurines plus les deux grandes. Alors, on va dire 33 figurines, on est à 391,40 €. Voilà. Et si j'attends le prochain envoi, on est à
432,32€. Ça fait mal de dépasser les 40 quand même. Alors, 400€, vous allez me dire, 400€ pour 33 figurines, ça reste un bon deal, mais elles sont très petites. Hein. Regardez, comparé à celle-là, voilà. Bon, elle est bien plus grande, hein. C'est vrai qu'elle a... Comme il est baissé, on a l'impression qu'elle est petite, mais elle reste grande. 433, ça fait un peu plus de 10€. Ça fait à peu près 11€ chaque figurine. En comptant qu'il y a quand même deux grandes, hein, moi, pour, comme je vous disais, j'estime, voilà, 40 balles maximum. Je pense que je vais annuler. On va pas aller plus loin. Le t-shirt, je vais pas pouvoir le mettre. Hein. Je vais pas le revendre, je vais pas m'amuser à le revendre. Ou je peux le faire gagner sur un concours, hein, si vous faites duel. Je pense qu'on va arrêter là, Altaïa. Je suis désolé. Alors, je sais pas si vous regardez, hein, messieurs d'Altaïa. Mais voilà, je vous ai quand même engraissé de 400 balles. Ça va, je pense que je n'irai pas plus loin. Alors j'espère que d'autres auront le courage d'aller plus loin pour qu'on voit, hein, dans des vidéos YouTube jusqu'où on peut aller. Mais j'arrête là. Et j'arrête tous ces trucs, tous ces abonnements, ces machins là, parce que voilà, ça fait quand même un trou dans le budget. À 40 balles, on préfère avoir comme un bon jeu rétro. Voilà, on peut trouver par exemple un Mega Man 2 à 45 balles, hein, en boîte, sur NES. Voilà, plutôt que de recevoir trois figurines que vous connaissez pas, à choisir, hein, le choix est vite fait. Donc j'arrête, mais j'ai peut-être fait une connerie l'autre jour. Alors ça, c'est sur les conseils de Vic, hein. Ça c'est la faute à Vic, qui m'a envoyé le lien pour ceci. La collection Hachette Goldorak et Grandizer. Alors il s'agit là d'un... Ah, vous l'avez sûrement vu peut-être dans d'autres vidéos. Voilà, d'un très grand Goldorak à construire. Je crois qu'il fait 70 cm. Là, c'est... Voilà, faut être fan, je suis d'accord. Bon, moi, je suis quand même assez fan. Ça reste quand même un dessin animé culte. Mais voilà, donc voilà, pour l'instant j'ai que le premier colis, donc il n'y a pas grand chose, il y a un bout de crâne, et un bout de crâne et un bout de corne, voilà, hein, un bout de front. Donc on verra, je vais essayer de voir si on peut ne faire que le buste du haut, et ça me fera un petit buste, on essaiera de ne pas aller trop loin, parce qu'il y a des cadeaux sympas aussi, avec la collection Goldorak, hein, voilà. Alors on est faible, hein, vous allez dire que je suis faible, voilà, j'arrête un abonnement, mais j'en prends un autre. Oh, et puis merde, hein, on vit qu'une fois, hein, bon voilà, hein, tant pis. Donc c'était très certainement la dernière vidéo. Voilà. Et on se retrouve pour d'autres vidéos très prochaines. Au revoir.